Allô? Oui, coucou poussin, ça va? Ça va et toi, maman? Ouais? Ah, t'as l'air content de m'entendre. Bon, apparemment, je dérange, donc je vais la faire courte. On est bien arrivé en Italie, on est à l'hôtel, là. Allô? Ah ouais? Et vous avez fait mon voyage? Arrête, poussin. Je sais bien que tu t'en moques. C'est pas grave. Je voulais juste savoir comment ça allait. Tu m'écoutes pas du tout. Attends, je vais faire un test. On est dans quel pays avec papa? Allô? Allô? Oui, pardon maman. Oui, très bien, ouais, ça va. Ok. Bon, tes amis vont bien, ton groupe ça va, ta copine, enfin je sais plus comment elle s'appelle. Attends. Ouais, Marjorie, elle s'appelle, mais on n'est plus ensemble. Oh mince, poussin, je savais pas. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Bon. Ok. Tu sais que tu peux inviter des amis si ça te fait plaisir, hein? Juste attention au bruit à mes plantes. Et cassez rien. Et pas de ballon aussi, tu le sais. Oui. T'arroseras ma plante sur la terrasse, poussin? Oui. T'as fait ton inscription en deuxième année. C'est important, hein? Oui, maman, je suis en train de la faire là. Enfin, je la fais demain. Essaie de manger les légumes que je t'ai achetés. Les laisse pas pourrir. Ok, poussin? Someone once told me time is a flat circle.
Thank you.
ça y est, ils sont partis, tes parents. Yes, on fait une fête ce soir, alors. Trop bien, je ramène l'alcool et la bouffe, je sais que c'est pas trop ton truc, t'inquiète. Branche juste les amplis and let's jam. J'ai trouvé des paroles sur ta nouvelle compo. Au fait, t'invites Marjorie? Non. Non, enfin, on est plus ensemble. Oh, comment, dude? Elle t'a dit, on fait un break. Ça veut dire, essaie de me reconquérir, you dumbass. Invite-la, c'est le moment parfait pour des retrouvailles torrides. T'es con. Je ramène quelques potes, ok? On va s'ambiancer. Non, mais par contre, tranquille sur le monde. Enfin, je veux dire, moi, c'est le bordel chez moi et mes voisins, ils font chier avec le bruit, donc tranquille, ok? Non, t'inquiète, pas grand monde. À toutes. Yo! Salut! Je dis tout seul, on a eu que les potes. Mais t'inquiète, mec, c'est mes potes, ils sont cool. Let's go! Sérieux? Woo! Pourquoi t'as autant de légumes? Au congèle? Ouais, c'est ma mère, elle est chelou, mais... Hey, Neil, je peux te squatter ta drum 2 secondes? Je voudrais te faire écouter le pattern que j'ai composé pour le nouveau morceau. Elle est où, Marjorie? Je lui ai envoyé un texto, mais elle a pas répondu. What? T'as envoyé un texto à ton ex? Dude. Bon, bouge pas, je vais l'appeler, moi. Non, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Hey, Marjorie. C'est Steve. Ça va? On est chez Neil, là, soirée déguisée. Tu viens ou quoi? Ouais, je sais, il m'a dit, mais bon... Je suis déjà en soirée, là. C'est quoi ta lame-ass party?
Ramène ton petit cul ici, il y a le jardin, la musique, de l'alcool. Et en plus, il y a moi. Putain, t'es con. Bon, ok, je passe chez moi me changer, j'arrive. Tu vois, mec, faut rien lâcher. Faut te ressaisir, vieux. Merci pour ton accueil, en tout cas. Elle est trop cool, ta piole. T'es en coloc? Non, c'est à mes parents. Là, ils sont en Italie, là. Ouais. Et tu joues dans le groupe de Steve, toi, c'est ça? Tu fais quoi? Elle est partie mélodique. Sébastien lui fait la rythmique et Steve, bah, il chante, il fait interprétation. J'ai écouté ce que vous faites et... J'aime bien. Après, je dirais que Steve est très présent. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Mais bon, il aime la scène, alors voilà. Et puis les gens, ils viennent au concert pour lui. Tu sais, il a fait de la télé, là, récemment. Donc, toi, t'es musicien, toi? Ouais. Ouais, je fais de la MAO et je chante à mes heures perdues. Ah, cool. Par contre, tu sais que c'était une soirée déguisée. Non, mais je te le dis. Je sais, ma soeur m'a prévenu trop tard. Je suis venu avec elle, c'est Julie, t'as dû la voir. Ah ouais, ok. Ouais. Et Steve a tiré une de ses tronches quand il m'a vu arriver comme ça. C'est pas grave. On va dire que c'est un personnage. Tu fumes ? Non, merci. Vraiment cool tes parties de guitare, en tout cas. Vraiment cool. Merci encore pour l'accueil. Ce serait cool à l'occasion qu'on joue tous les deux. Oh. Ça y est, t'es arrivé, darling. Et t'es déguisé, hein. Yes. Attends, je viens t'ouvrir. Par ici. Bon, et bah, je vais vous laisser tous les deux. Ça va, ça? Ouais, ouais, nickel chrome, ouais. Nickel chrome? Non, mais allô, quoi. On est dans une soirée des années 2000 ou ça se passe comment? Oh, mais c'est trop mignon. T'as mis le t-shirt du concert? C'est pas tout, mais il est où l'alcool? Ici, bitch. Thank you.
les amoureux. Vous savez qu'il y a une chambre à l'étage. Mais ils y vont en plus. Hey, les filles, y en a une qui veut de moi. Eh ouais, je suis célibataire. La fille là-bas, c'est ton ex, c'est ça? Oui. Tu sais quoi? Là, t'as les boules. Mais en réalité, Steve, sans le vouloir, t'a rendu un grand service. T'avoue, là, j'ai plus envie de l'en foutre une, là, je t'avoue, mais... Non. Non. Il t'a même rendu deux services. T'étais pas bien avec ton ex, t'es pas bien dans ton groupe. Il te soulage des deux problèmes. Ok, alors quoi, il faut que je lui dise merci, c'est ça? Quelque part, ouais. Mais t'es quoi, putain, t'es un moine bouddhiste? Non, je suis un branleur. Comme toi. Branleur qui fume des joints, c'est la seule différence. Hugo. Ça te dit d'aller sur toi? Il faut absolument que je te parle d'un truc. Ok. Oui. Ok. Ok, go. Elle s'appelle Alice. Tu veux lui parler? Salut là pour moi, ouais. T'as eu? Elle veut te parler. Mec,
Il est temps de t'initier à ça. Tiens, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Rentrez bien. Mec, qu'est-ce que c'est qu'une indienne ? T'as déjà vomi deux fois, hein, dont une fois dans le bassin. Alors je t'arrête tout de suite, j'ai pas vomi dans le bassin. J'ai apporté les nutriments essentiels à la croissance des poissons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous proposons une expérience d'un genre nouveau. Réservée aux cœurs les plus endurcis. Oserez-vous plonger dans les ténèbres ? Et affronter le fantôme d'Alice Dansever. Jeune Picard, qui s'est pendu dans sa chambre, dans cette maison, en 1922. Après avoir découvert qu'elle était enceinte de son propre père. Oh, ah, mais ouais ! J'adore ! Allez, sors-moi. Ouais. Bisous. Bonsoir. 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 Bon bah, suivez-nous. Ah oh ouais, vas-y. Viens, on y va. Oh. Vas-y, viens. Viens, on y va. Eh. Eh oh. Oh. Viens. Oh. Ma femme, elle fait rien. Oh. Nous sommes tous réunis ce soir pour entrer en communication avec toi, Alice Dansever. Mes parents ont retrouvé des archives appartenant aux anciens propriétaires qui mentionnent la présence de la famille Dansever dans cette maison au début du XXe siècle. Boring. Chut, ta gueule. Elle mentionne aussi ton suicide, Alice Dansever, ici même, dans cette chambre où nous nous trouvons. Est-ce exact ? Merci de ta réponse. Maintenant, je vais vous inviter à tous fermer les yeux, s'il vous plaît. C'est pour pas l'effrayer. Tous, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Tous. Voilà, maintenant que nous avons tous les yeux fermés, Alice, tu peux, si tu le souhaites, te manifester. Et qu'est-ce que je dois comprendre de ta réponse ? Tu souhaites parler à trois personnes, c'est ça ? Ça doit être pour un coup oui et pour deux coups non. Est-ce que c'est ça, Alice ? Oh, mais c'est bon, là, qui c'est qui tape ? Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'Alice a pas apprécié ton intervention.
Mais bande de petits cons, qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vais demander à tous ceux qui avaient les yeux ouverts, on n'a pas bougé d'ici. Ça te fait marrer, toi? Bah non, mais c'est vrai, on n'a pas bougé. Non, mais là, c'est soit... Tu saignes vraiment? Soit il y a vraiment... Vraiment quoi? Oh, le bordel! Vas-y, continue! Je peux pas, je sens plus sa présence là, elle a dû partir. Oh, cut the crap, c'est n'importe quoi! Such a lot of bullshit, t'es un complice, c'est évident! Come on, girls! He's obviously making fun of us! Mais ta gueule, putain! Mais on commence enfin à s'amuser là! Et puis, arrête de parler anglais! Ok, tu n'es pas anglais! On sait tous que tu viens de Quimper, bordel! La porte! L'horloge! Voilà, c'est sûr, Alice est revenue parmi nous. Promis, Alice, on ne t'interrompra plus. La preuve de ta présence étant établie. Alice Danzever, je te le demande. Manifeste-toi. Meilleure soirée de ma vie.